Les documents paraffés entre le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, consistent au jumelage de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine et l'université de Nanchang, chef-lieu de la Jiangxi, ainsi qu'au l'envoi des experts pour la lutte contre la pandémie de COVID-19 au Tchad. Ils prennent également en compte le partage d'expériences entre les deux États. La signature d'aujourd'hui témoigne un renouvellement du protocole d'accord relatif à l'envoi de la mission médicale chinoise en Tchad, qui ajoute un ophtalmologiste à la mission dans le but de favoriser le développement du centre d'ophtalmologie au sein de l'hôpital d'amitié Tchad-Chine vers un centre phare de la région d'Afrique centrale. Ces différentes conventions s'ajoutent à d'autres efforts fournis par la Chine dans le cadre des relations bilatérales entre la Chine et le Tchad, situe le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. La coopération entre nos deux pays est historique. Pour ce qui est du domaine de la santé, nous avons eu à le constater avec le déclenchement de la pandémie de COVID-19. La Chine a été le premier pays qui a volé au secours de notre système de santé. Ce partenariat va permettre au Tchad de prendre des dispositions nécessaires pour faire face aux éventuels cas de la COVID-19 d'une part et d'autre part de renforcer l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine en termes du personnel soignant.